Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous crée des formations pour passer votre crise de couple. Si vous êtes en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans, il est normal que vous traversiez des crises de couple et ça, il faut savoir les gérer. Malheureusement, force est de constater qu'autour de vous, il y a des couples qui se connaissent depuis longtemps et qui divorcent simplement, c'est pas parce qu'ils s'aiment plus, mais parce qu'ils ne savent pas gérer la crise de couple. Peut-être qu'il y en a un des deux qui veut partir, il y en a un des deux qui dit « je t'aime plus », il y en a un des deux qui pète les plombs, qui fait une crise existentielle. Eh bien, tout ça, ça s'accompagne, tout ça, ça s'apprend. Évidemment, il y a des formations très précises. Il y a un catalogue de 200 formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Il suffit d'appuyer sur l'afficher plus. Et j'ai créé un écosystème autour de ces 200 formations. Les formations elles-mêmes seraient assez puissantes. Mais en plus, vous avez les vidéos du matin. Vous avez toute la journée des vidéos courtes et des textes que vous retrouvez sur Telegram. En appuyant sur le même lien dans le afficher plus sous cette vidéo, vous le retrouvez. Je vous mets des ressources supplémentaires pour mettre en application les formations. Et bien sûr, vous avez la fabuleuse équipe des pirates, positive, bienveillante, qui vous aide à mettre en application les formations. Quand vous êtes un peu bloqué, vous allez sur le Facebook où vous posez des questions en commentaire de ces vidéos. Et des pirates plus expérimentés qui ont déjà retrouvé leur conjoint ou sont déjà en train de les retrouver vont pouvoir vous aider à mettre en application ces formations. Alors, je vois malheureusement parfois chez des confrères qui vous conseillent d'écrire des SMS. Alors vous voyez, il y a des vidéos un peu, comme on dit, putaclic, les 4 SMS pour retrouver son conjoint, les 3 SMS qu'il faut écrire. Et vous savez, vous qui êtes maintenant des pirates aguerris peut-être, ou si vous arrivez, qu'il est très dangereux d'essayer de retrouver son conjoint par l'écrit, par des SMS. Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Il est facile effectivement de croire que l'envoi d'un SMS ou d'un texto rapproche les cœurs lorsqu'ils sont en crise, mais vous avez compris, ce n'est qu'une illusion. Donc si vous avez un coach qui vous dit répondez au texto ou envoyez un texto en disant ça, méfiez-vous, vous êtes certainement à la mauvaise adresse, vous n'êtes pas avec cette fabuleuse communauté de pirates, aujourd'hui 25 000 pirates au moment où je tourne cette vidéo, qui peuvent vous aider à récupérer votre conjoint. La rapidité des messages écrits peut donner l'impression de combler un fossé, mais en réalité, elle creuse un abîme beaucoup plus profond. Lorsqu'on échange par écrit, chaque mot est interprété à travers non pas ce que vous écrivez, mais le prisme de l'émotion du moment de votre conjoint qui le lit. Un simple d'accord peut paraître froid et détaché, alors qu'il était peut-être rédigé avec la meilleure intention. Cette distorsion rappelle le téléphone arabe, vous savez, ce jeu que vous faisiez peut-être quand vous étiez enfant, où le message initial est déformé à chaque étape. Donc là, juste le fait d'avoir un écrit peut déformer votre message. Un simple OK, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas intéressé? Un OK, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, tandis que si on est en face à face au téléphone, avec l'intention, ou on peut, si on n'a pas l'intention, poser la question, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et là, oh, évidemment, il y a beaucoup moins de problèmes et beaucoup moins d'incompréhension. Le temps entre l'envoi et la réception, aussi court soit-il, laisse l'espace à l'anxiété de s'installer. C'est comme si l'on construisait un château de sable au bord de la mer, chaque vague risquant de le détruire avant qu'il ne soit achevé. Si vous faites un château de sable, vous revenez le lendemain matin, il y a des chances qu'il ne soit plus là. Donc les échanges écrits, c'est pareil, ils ne capturent qu'une infime partie de la complexité de nos émotions. Dans le film R de Spike Jonze, Théodore développe une relation avec une intelligence artificielle par le biais des messages vocaux. Bien qu'il ressente un lien fort avec cette intelligence artificielle, il s'agit en réalité d'une projection de ses propres désirs, une relation qui n'existe que dans l'espace du texte et du son. C'est d'ailleurs un peu ce qui se passe entre votre conjoint et son pansement, où ils s'écrivent beaucoup, où finalement la relation est beaucoup plus virtuelle que réelle. C'est pour ça que les relations pansement finissent par exploser, à moins qu'évidemment vous ayez commis trop d'interdits, que vous ayez mis votre conjoint dehors, que vous ayez fait un silence radio, que vous ayez fait une manipulation type fille, moi je te suis, ou une manipulation type lettre magique. À ce moment-là, si votre conjoint n'a pas d'autre choix, si vous ne lui ouvrez pas la porte et si vous n'êtes pas derrière la porte avec un vrai changement, eh bien il se peut que la relation pansement dure quelque temps. Sinon, évidemment, la relation pansement n'est pas faite pour durer, mais pour diminuer la souffrance au moment d'une relation difficile dans son couple ou au moment d'une crise existentielle. Donc dans la vraie vie, le SMS devient un écran sur lequel chacun projette ses peurs, ses angoisses et ses frustrations, amplifiant évidemment
les nuances et amplifiant les tensions au lieu de les apaiser. C'est pourquoi dans un moment de crise, vous devez absolument réaliser que le texto n'est pas une corde de sauvetage, mais c'est plutôt une corde avec laquelle on va se pendre. C'est une illusion qui peut envenimer la situation. Il n'y a pas de chaleur humaine dans un mot tapé sur un écran, pas de nuance, pas de regard pour accompagner la phrase. C'est un langage qui est évidemment amputé de ses richesses, et tenter de résoudre une crise avec de tels outils, c'est comme essayer de jouer du piano avec des gants de boxe. Si vous avez un psy, un coach qui vous conseille d'écrire tel ou tel SMS ou de répondre de cette façon-là à un SMS, c'est que c'est quelqu'un qui a malheureusement pas compris comment fonctionne une crise de couple. C'est pas grave, peut-être qu'un jour il se formera et peut-être un jour il apprendra. Le poète Rainer Maria Rilke disait que la vraie vie est si souvent l'invisible. Dans une crise, ce qui est invisible dans les mots écrits, l'intonation, l'hésitation, l'ombre d'un sourire, peut devenir la source de toutes les incompréhensions. Et c'est précisément ce qui rend les SMS si dangereux. Ils effacent l'invisible, mais ne font pas disparaître. Ils transforment chaque phrase en une sorte d'équation froide, dépouillée de ses variables humaines. Le SMS est un terrain miné où chaque mot peut exploser de mille façons différentes selon l'état d'esprit du lecteur. Donc ça ne dépend pas de vous. Vous pouvez vous faire conseiller par un coach d'écrire le meilleur SMS possible. Ça ne servira à rien parce que ce qui va dépendre, c'est comment votre conjoint va le ressentir. Donc ça, vous ne pouvez le gérer que face à face, en écoutant l'intonation de voix, en regardant les micro-expressions, ou si vous êtes au téléphone, évidemment, vous pourrez aussi, en fonction des réponses, calibrer. Si vous envoyez des SMS, vous ne pourrez pas le faire. Donc, échanger par SMS pendant une crise de couple peut conduire à une déshumanisation insidieuse de la relation. Les mots, une fois réduits à des caractères numériques, perdent de leur essence vivante. Ce phénomène est comparable à une œuvre d'art que l'on copie et recopie jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une vague esquisse de l'original. Imaginez un couple célèbre du cinéma comme Rick et Ilsa dans Casablanca. Leur adieu, émouvant et intense, aurait-il eu le même impact s'il s'était déroulé par texto? Je ne crois pas, absolument pas. C'est la présence physique, le regard échangé, qui donne tout son sens à leurs mots. En se contentant de SMS, on se prive de ces éléments essentiels, réduisant la relation à une simple transaction d'information. Dans le cinéma, quand on utilise le SMS pour montrer une interaction entre deux personnes, bien souvent il y a une musique, il y a tchoc, un bruit, de façon à créer une ambiance autour du SMS, évidemment, parce que sinon ce serait là aussi trop fade. Les SMS rendent les interactions superficielles, vous l'avez compris, comme un album de photos où chaque image est floue, les détails sont perdus. Les émotions complexes et les nuances disparaissent dans l'écrit du SMS, laissant place à des malentendus qui vont s'accumuler. Et vous savez bien que dans une relation difficile de crise de couple, vous n'avez pas besoin que les malentendus s'accumulent. Pire encore, la facilité avec laquelle on peut envoyer un message nous pousse à dire des choses que l'on regrette souvent immédiatement. Je réponds immédiatement à ce qu'a dit mon conjoint. Eh bien, évidemment, des mots lancés dans l'espace numérique sans possibilité de retour en arrière sont particulièrement dangereux. C'est comme si l'on jouait à un jeu d'échecs, mais avec des pièces manquantes et des règles qui sont constamment changeantes. L'impact est dévastateur. Ce qui aurait pu être un malentendu mineur, impossible à écarter, devient une tempête émotionnelle impossible à apaiser par la simple magie du SMS. Si c'était un malentendu mineur au téléphone ou en face à face, on aurait pu rapidement dire non, je me suis mal exprimé ou faire un trait d'humour derrière et c'était géré. Avec un SMS, c'est très dangereux. La déshumanisation, Bruno, se calme, progressive, s'accélère chaque fois qu'un coach vous conseille d'écrire plutôt que de vous parler en face à face. L'absence de contact visuel, de ton, de voix, de langage corporel, tout cela contribue à la déconnexion. Je peux vous garantir qu'un négociateur du RAID ou du GIGN refuse de négocier par texto avec un ravisseur. C'est soit en face à face, soit la plupart du temps en se parlant au téléphone ou au-delà d'une porte, par exemple. Finalement, quand on est par SMS, on finit par ne plus parler à une personne mais à un écran, à un reflet numérique de l'autre,
ou lequel qui peut faire que ça va mal se passer au fur et à mesure. Ce processus est comparable à celui d'une machine qui, avec le temps, remplace l'humain. Il n'est donc pas surprenant que les couples qui échangent principalement par texto pendant une crise finissent souvent par ressentir une distance croissante. Les mots, aussi nombreux soient-ils, ne peuvent pas compenser l'absence de présence réelle et ni même de chaleur humaine. L'échange par SMS tend à banaliser les sentiments et les intentions, les réduisant à des fragments sans profondeur. Les messages écrits sont souvent envoyés rapidement, sans réflexion, comme une tâche à accomplir, plutôt qu'une véritable communication. Communication, ça veut dire mise en commun. C'est comme servir un repas en boîte lors d'un dîner romantique. Cela certes remplit l'estomac, mais ne nourrit pas l'âme. En utilisant des SMS pour discuter sur des sujets complexes ou émotionnellement chargés, on réduit ces discussions à un niveau transactionnel où l'on cherche simplement à envoyer un message sans se soucier de la manière dont il sera reçu ou interprété. Il faut que je me débarrasse du stress que j'ai, il faut que je lui réponde de ça. Dans la série Black Mirror, l'épisode Nose Drive, non, c'est Nose Dive, oui, montre comment la vie des individus est régie par des interactions superficielles où l'apparence compte plus que la réalité. Les SMS, dans une crise de couple, fonctionnent de la même manière. Ils deviennent des gestes de façade sans l'authenticité nécessaire pour résoudre les vrais problèmes. Lorsqu'on réduit une discussion à une série de messages écrits, on perd de vue l'importance de la profondeur des sentiments et des intentions derrière les mots. Cela transforme votre relation en une sorte de concours de qui répond le plus vite, plutôt que de se concentrer sur ce qui est réellement important, revenir ensemble, passer des bons moments ensemble, sauver le fait que les enfants n'auront plus à changer de maison toutes les semaines. Les messages écrits tendent également à standardiser les réponses. Dans une conversation face à face, une question difficile ou une émotion forte peut provoquer une pause, un silence qui parle plus que les mots. Avec les SMS, ce silence est souvent perçu comme un vide à combler rapidement, ce qui pousse à répondre de manière précipitée, souvent avec des mots qui ne reflètent pas réellement ce que l'on ressent. La banalisation va s'installer dans votre relation avec votre conjoint en crise. Les réponses vont devenir mécaniques, presque automatiques, sans l'investissement émotionnel que vous pouvez avoir en face à face ou au téléphone. Évidemment, quand on vous conseille de communiquer par SMS ou de répondre par SMS, vous allez rentrer dans une spirale descendante qui va entraîner votre relation vers une froideur et une distance croissante, loin de la connexion profonde que l'on cherche désespérément à retrouver pour aller en phase 4. Les SMS encouragent un cycle de réaction plutôt qu'une véritable réflexion. Dans une crise, chaque message reçu pousse à une réponse rapide, souvent sans prendre de réellement comprendre, de considérer les sentiments de votre conjoint. C'est un peu finalement comme une partie de ping-pong où l'objectif est de renvoyer la balle aussi vite que possible, sans jamais réellement prendre le temps d'analyser le jeu ou de penser à la prochaine stratégie. Cette dynamique de réactivité rapide crée une tension continue, empêchant toute forme de résolution apaisée et durable. On pourrait même comparer cette situation à celle d'une guerre d'usure où chaque camp riposte immédiatement aux attaques de l'autre sans jamais chercher à comprendre les motivations profondes qui les animent. Votre conjoint en crise ne cherche pas à comprendre vos motivations profondes, c'est-à-dire à arranger la situation quand vous conversez par SMS de façon durable. Alors évidemment, on peut utiliser le SMS pour dire j'arrive en retard, je suis dans les embouteillages, parce que ça ne demande pas forcément une discussion. À partir du moment où il y a une discussion, on stoppe net et définitivement les SMS. Ce qui se passe lorsque les couples en crise se confinent à des échanges écrits, chaque message devient une nouvelle mèche allumée, un prétexte à continuer la confrontation plutôt qu'à trouver un terrain d'entente. Souvent, vous me dites, oui, mais c'est mon conjoint qui commence. Évidemment, ça dépend à quel moment on prend les choses. Si là, je dis, mon conjoint a commencé parce qu'il a dit ça, et si j'interroge votre conjoint, peut-être il me dira, c'est la phrase d'avant qui m'a fait remonter dans les tours. Vous voyez, donc, on ne sait jamais quand c'est qui de la poule ou de l'œuf a commencé. Parce que les relations humaines ne sont pas des stocks, mais ce sont des flux, c'est-à-dire que c'est infini. Surtout si vous avez fait la méthode des jeux infinis, vous aurez appris avec la méthode des jeux infinis à ce que votre couple ne puisse pas s'arrêter, hein, puisque soit vous pratiquez des jeux finis, et le SMS fait partie des jeux finis, et votre couple est en danger, soit vous pratiquez la méthode des jeux infinis, vous avez dans le catalogue de 200 formations cette magnifique formation, eh bien vous allez pouvoir, en appliquant les règles des jeux infinis, faire en sorte que la relation dure tout le temps, s'adapte et s'améliore.
Si vous continuez à fonctionner avec la méthode des jeux finis et avec le SMS, vous serez devant une escalade de tension où chaque réponse va enflammer encore davantage la situation. Dans le film Oui, Plash, à la quête de la perfection devient une spirale destructrice. Les SMS peuvent transformer une simple incompréhension en conflit humain ouvert et destructif. De plus, cette boucle de réaction instaure une forme de dépendance où l'on devient accro à la réponse de l'autre. On mesure même des fois, il m'a répondu au bout de 12 minutes. Moi, j'ai répondu, je vais attendre, c'est parce qu'il y a des coachs qui conseillent ça. Donc, si vous l'avez répondu au bout de 12 minutes, répondez vous aussi au bout de 12 minutes, au bout de 15 minutes. Là, vous voyez la bêtise des conseils que l'on peut vous donner parfois. Cela nourrit l'angoisse et l'incertitude, car chaque message envoyé ou reçu devient une nouvelle source de stress. Plutôt que de calmer les esprits, cette manière de communiquer exacerbe les tensions. C'est un cercle vicieux dont il est difficile de sortir, car plus on répond, plus on est pris dans ce jeu dangereux. Et quand on vous conseille de décrire des SMS ou quand on vous conseille des structures de SMS, on va vous entraîner dans une situation où vous ne parviendrez plus à prendre le recul nécessaire pour aborder les problèmes de manière constructive. Effectivement, les SMS en surface peuvent donner l'impression d'une résolution rapide des conflits, mais cette résolution est souvent superficielle et temporaire. En réalité, les vrais problèmes restent enfouis, comme une braise qui continue de couvrir sous les cendres. Les SMS ne permettent pas de gratter la surface des désaccords, laissant les causes profondes intactes. C'est comme essayer de réparer une fissure dans un barrage avec un pansement. Cela peut sembler fonctionner un instant, mais la pression continue de monter en dessous, prête à éclater à tout moment. C'est comme quand votre conjoint veut mettre un pansement sur votre relation en ayant une relation adultère ou sportive ou professionnelle ou des amis. Eh bien, évidemment, tout ça va finir comme pour le pansement sur un barrage. Ça va finir très mal et c'est prêt à éclater à tout moment. Ce genre de résolution par message, d'ailleurs, vous voyez que votre conjoint fonctionne beaucoup à message avec son pansement, c'est pour ça que ça explose aussi. Ce genre de résolution par message écrit est une fausse paix, un cessez-le-feu précaire qui ne fait qu'empirer la situation à long terme. C'est ce qui arrive aussi à votre conjoint avec son pansement. Dans la pièce de théâtre Qui a peur de Virginia Woolf, les personnages principaux, George et Martha, se lancent dans une série de joutes verbales qui, bien que violentes, finissent par révéler des vérités profondes sur leur relation. Au moins, ils se parlent. Si ces échanges avaient été amenés par SMS, les vérités auraient été édulcorées ou empirées finalement, et les tensions n'auraient jamais atteint un point de catharsis, et le couple serait peut-être aujourd'hui plus ensemble, car le couple, effectivement, serait rentré dans un cycle destructeur sans jamais parvenir à la moindre compréhension mutuelle. Les SMS dans une crise de couple agissent de la même manière. Ils permettent d'éviter les vérités inconfortables mais nécessaires. Maintenant, le couple est dans un état de tension latente et non résolue. Si vous restez dans les SMS, vous ne pourrez pas résoudre cette tension. La véritable résolution des conflits, et vous avez une formation sur comment gérer les conflits, une formation comment mieux négocier avec votre conjoint, la véritable résolution des conflits nécessite un engagement total de votre part, une volonté courageuse d'affronter vos émotions et celles de votre conjoint et les désaccords en face en face. Si vous n'avez pas cette force de parler avec votre conjoint, vous n'arriverez pas à résoudre les désaccords. Évidemment, le but c'est de ne pas parler trop souvent du couple ou d'en parler au restaurant, mais d'avoir, grâce à cette relation face à face, le plus possible de moments agréables et de partage ensemble. Les SMS sont un échappatoire, une manière de retarder l'inévitable confrontation. Si votre conjoint a besoin de parler, ce sera une confrontation que vous ferez dans un endroit fait pour ça, entre guillemets, où il y a du monde autour, comme un restaurant. Alors, le restaurant n'est pas fait pour avoir ce genre de discussion, mais le restaurant permet, avec du monde autour, avec un lieu différent, de ne pas aller dans une escalade verbale. Ce retard, quand on essaye de se parler que par SMS, qu'on ne veut pas affronter la vraie discussion au restaurant, n'est qu'une illusion de tranquillité. Je sais qu'au départ, ça vous rassure de pouvoir parler par SMS parce que vous ne prenez pas trop de risques, mais finalement, comme une tempête qui se prépare lentement, chaque conflit non résolu va alimenter la prochaine crise. Votre couple risque de s'enfoncer dans un cycle de disputes superficielles par SMS et de réconciliation, mais tout à fait aussi superficielle, sans jamais s'attaquer aux racines du mal. C'est le même problème qui se passe entre pansement et criseux. Ils se disputent beaucoup, ils se réconcilient, ça dure pas très longtemps.
ce manque de résolution en faisant ces rendez-vous au restaurant, par exemple, aboutit à une accumulation de rancœurs, de non-dits et d'incompréhensions qui finissent par empoisonner la relation, la rendant de plus en plus fragile et vulnérable à chaque nouvelle crise. Le fait de parler avec votre conjoint plutôt que de vous écrire, de passer du temps à parler au restaurant, peut-être éventuellement d'un problème de couple, vous allez le résoudre et vous trouverez des solutions en face à face. Si vous continuez effectivement à suivre les conseils du SMS ou du texto, eh bien vous risquez de vous enliser et de perdre votre conjoint. Ce serait dommage pour vos enfants. Se séparer, se divorcer, ça coûte très cher. Ça coûte 20 000 euros la première année, 10 000 euros les années suivantes. La souffrance, j'ai beaucoup d'émotions quand je parle des enfants. Les enfants qui vont devoir changer de maison chaque semaine, votre souffrance. Donc, ça vaut vraiment le coup d'apprendre à ne pas fonctionner de la mauvaise façon, d'apprendre à fonctionner donc de la bonne façon avec le catalogue des 200 formations, avec l'écosystème autour des formations pour vous aider à les mettre en place. Vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Des milliers de personnes sont arrivées grâce à la formation à retrouver leur conjoint. Vous avez des témoignages sur le groupe Facebook, sur les vidéos, sur les commentaires des vidéos. Profitez-en, nourrissez-vous, allez-y, donnez-vous cette grinta qui va vous permettre de mettre en place les formations. Je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés. Passez le dimanche que vous méritez. On se retrouve dans la journée pour des shorts et pour des textes que vous retrouvez sur Telegram, toujours en appuyant sur le lien que vous avez là en description de cette vidéo. Je vous rappelle que quand vous cliquez sur le lien, vous avez accès au groupe Facebook, au catalogue des formations qu'on a, oui, au catalogue Telegram, mais aussi à une formation gratuite, le Best of 2023. Vous allez vous régaler. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.